Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve, comme vous voyez, sur Clash Royale, un jeu que je joue depuis le début sur ma chaîne. Comme vous avez vu, la biquette, j'ai enlevé le clash, maintenant c'est la biquette tout court. Et sur tous les jeux, c'est pareil. C'est la biquette. Mon code créateur, je vais sûrement l'avoir aujourd'hui. Enfin, je l'ai déjà, mais il n'est pas validé encore par rapport à Fortnite. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien pour la chaîne en ce moment. Donc voilà, je joue sur voir un truc. Regardez ce que je vais faire. Golem. Amélioré. Voilà. J'ai mon golem qui est passé niveau max. Donc j'ai tout, tout de masque. Tout de max, pardon. Et donc... j'ai juste ma bûche à passer niveau 13, donc j'ai encore un peu de chemin à faire. Je vais vous faire montrer un petit combat sympa, qui était bien bien sympa. Il m'a fait chier avec son zappy, vous allez voir. Il m'a vraiment bien embêté. Ah oui, il avait le cochon, c'est vrai. Alors là, je sais même pas quoi dire, parce que là... On laisse taper. Je suis censé qu'il va le faire chier, bien sûr. Là je me dis le sorcier va vraiment m'embêter sur mon deck. Le sorcier c'est ma bête noire, il n'y a que ma méga gargouille qui peut le contrer. On va la défendre comme je peux, heureusement que je le zappe. Hein. Sinon le zap il m'aurait touché, hein, grave. Voilà, je vais toucher une fois. Là, je sais de toute façon que la partie est gagnée, que j'envoie un golem, une bûche ou un zap, c'est tout après que je finis, donc il n'y a pas de souci. Je sais que la partie, enfin, en tout cas la tour de droite est gagnée. Je ne sais pas pourquoi il joue golem 10 et il a rendu à cette arène là, c'est étonnant quand même. Étonnant, il est en Ligue 3 avec un golem 10. C'est étonnant. C'est le Zappy qui doit changer tout, je pense. Là, j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre ma méga gargouille au-dessus. Moi, j'envoie une méga, mais... d'avoir des lits, bien sûr. Vous voyez, j'ai déjà bien entamé la tour de gauche. Et puis il envoie du lourd hein, quand même à gauche. Hein. Ça, il faut même bien réfléchir à comment le contrer, surtout qu'il a son sorcier voilà, qui va bien me faire chier. C'est un méga gargouille qui va faire le taf, mon zap aussi. Heureusement que j'ai les deux. Là, faut pas qu'il fasse tomber ma tour, absolument pas. Et là c'est bon, je pose mon golem dans le coin, j'ai gagné quoi. Et voilà, la partie est finie. Et voilà. Donc ce sorcier avec mon deck est difficile. Hein. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit coucou YouTube et te présenter ma team.
Voilà, c'est donc moi je suis donc chef adjoint, le chef c'est Nanane. Donc, je suis à 4418 trophées. Non, moi je devrais être beaucoup plus, hein, 4475, mais je n'ai pas eu de combat. On va essayer de voir ensemble si le fait d'avoir passé le golem niveau 13 va changer quelque chose. On va faire 2-3 games ensemble maintenant pour compléter cette petite vidéo. Vous pouvez venir à Los Angeles, hein. Vous pouvez, comme vous pouvez voir, c'est une team qui accueille à 3800. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti, on fait un petit combat. Avec ce petit golem niveau 13, on va voir si ça change quelque chose. Un petit troll de famille. Je vous souhaite bonne chance quand même. Bon. On va pas y envoyer le gros du gros pour l'instant. On va attendre voir ce qu'il a. Ok, je vois à peu près ce qu'il doit jouer. Là, je vais envoyer du lourd devant. Ok, d'accord. Je pense que ça passe. Si j'en fasse derrière, ça passe. Ok, d'accord, je vois le deck qui joue. Ah, le sorcier qui fait mal. Le sorcier qui est ma grosse bête noire sur ce deck. Donc, ma Tesla qui peut contrer et donc ma méga gargouille. Il n'y a que ces deux cartes-là qui peuvent le contrer. Sinon, j'ai la bûche qui peut le retarder. Et au pire des cas, s'il n'est pas maxé, peut-être mes archers. Donc, quand même, vous voyez, un golem niveau 13, ça fait quand même beaucoup de dégâts. J'ai envoyé une bûche juste pour affaiblir. Là, j'espère qu'il n'a pas le gel. Un petit zap pour les archers derrière. Voilà. Ah là 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 là. Je m'en doutais qu'il y ait le gel. Ah, pourquoi j'ai mis ma méga gargouille? J'aurais pas dû! Mais non, j'aurais pas dû faire ça! J'ai mal calculé le gel. Donc il va falloir que je fasse attention à mettre bien ma Tesla comme il faut. À défendre donc le sorcier avec ma méga. Et mettre ma Tesla pour le ballon. Et mettre les archers en secours au cas où il me fait un gel. Voilà toute la réflexion qu'il faut avoir sur Clash Royale. Là, je vais envoyer ça à gauche. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah, je mets un petit zap. Voilà. Ah, elle a mis son gel là, c'est très bien. Regardez, le niveau 13 quand même, regardez. Il fait tout le boulot quoi, hein. En gros, il fait vraiment tout le boulot. Voilà, j'ai mis ça en prévention. Voilà. Là, regardez comment j'ai déjà allumé. Et là, ça recommence. Hein. Donc là, on partait sur du 3 couronnes, clairement. Hein. Donc, ce niveau 13, ce bolet niveau 13, apparemment, a du gros potentiel. Je pense que j'ai monté à 4900, je pense. Donc voilà, c'est ce deck-là. Sur ce, je vous dis ciao. Bonsoir, vous venez quand vous voulez dans la team Los Angeles. On vous attend. Il faut avoir joué 3800 trophées et de bonne humeur. Et t'abonner à ma chaîne et à celle de Stéphane. Sur ce, je vous dis ciao. Bisous. Prenez soin de vous.